Salut YouTube, si t'as kiffé cette vidéo, c'est que t'as envie de me voir manger non pas un, non pas deux, pas trois, pas quatre, et 5 gigatacos. Oui, je vais mêler de la bouffe dans League of Legends, c'est du contenu incroyable. Je vais manger 5 gigatacos et jouer Yurik en même temps. Je vais d'abord vous présenter la composition de mes tacos que j'ai commandé près de Marseille. Dédicace à tous les frérots qui m'ont fait le tacos. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Alors du coup, on a le tacos à base de 4 composants ici, donc 4 plates. Très sympa. Voilà, il est un peu hardcore, je vous cache pas. Le premier, c'est toujours le plus dur à passer. Et après, ça va aller comme sur des roulettes. Donc le premier tacos est ici, le gigatacos. On a le deuxième qui ici avec une composition un peu plus saine. Et ensuite, nous avons le troisième gigatacos ici et les deux derniers qui sont là. Je vais m'enfiler tout ça dans le cul le plus vite possible avec mon Yurikar. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, bien sûr. Et on va pas bégayer, bien sûr, on va tout détruire. Salut mon poulet, il y a 10€ de RP à gagner sur chacune de mes vidéos du 15 juin au 15 septembre. Pour participer, c'est très très simple, il suffit de mettre un commentaire sur cette vidéo avec ton pseudo League of Legends, liker la vidéo et être abonné à ma chaîne YouTube. Le 16 septembre, je ferai le tirage au sort de tous les gagnants de chacune des vidéos et tu peux participer à toutes les vidéos, il n'y a aucun problème là-dessus. N'hésite pas à partager l'info à tes potes, comme ça ils peuvent aussi participer pour gagner 10€ de RP. Comme tu le vois, je rends l'argent aux abonnés et on retourne sur la vidéo. Juste petit message de prévention avant de vous laisser avec ce magnifique gameplay et cette dégustation. Je tiens à vous préciser que je ne cautionne pas le harcèlement qu'il y a actuellement sur la famille de Alan Food Challenge. C'est avant tout des références pour rigoler, bien sûr, pour faire passer un bon petit moment. Voilà, donc je cautionne pas tout ça, c'est vraiment histoire de vous faire un petit peu rire avec des refs assez sympas dans la vidéo. Profitez du gameplay, régalez-vous et surtout commentaire de votre meilleur tacos, votre composition préférée, ça m'intéresse. La mienne est la meilleure, de toute façon, cherchez pas, la mienne c'est la meilleure. Ok, il a plus de mana, il joue TP, il va devoir TP fast. Hein. Bon, au début c'est normal qu'il me domine les gars, c'est dès que je suis 6 que je serai bien. Comment ça, que ça va TP. Je pense pas que c'était Aurélion Sol au top les gars. C'est pour ça que j'ai pas des bons trucs là. J'ai gardé ma TP moi. Après c'est dommage qu'on a pas réussi à le tuer sur un gank. Honnêtement, il avait vraiment grid là juste avant. Là je vais pouvoir le pressure kill là. Dommage qu'il a pas fini là. Donc il y a une auto, non? C'est grave fine, hein. Il perd tellement de farm là-dessus, le Aurélion. C'est fini, il a plus de game. C'est fini les gars, le premier tacos, on tape des crocs dans le premier tacos. Et là les crocs c'est parti. On sent la composition, la sauce fromagère, la sauce samouraï par dessus qui rajoute un peu de piquant, c'est pas mal. 38 CS à 69 les gars, on a au moins 2500 gold d'avance là. Le premier tacos est bien entamé les gars. Il m'a mis des dégâts de fou, hein. Je vais régène, moi, c'est l'avantage. Hein. Ok, les gars, le premier tacos. Gigacro, là. Bam. Ok, le premier fini. Incroyable. Premier gigatacos. Pas évident, les gars, pas évident. On n'a pas bégayé, pas de montage, pas de crachat dans les poubelles sur le côté. Ce premier tacos est une réussite. Ok les gars, le deuxième tacos va être entamé. Aïe, ils défendent le tacos. Ça défend le tacos. Les gars, on a quand même bien entamé ce tacos, je trouve que c'est pas mal. Le Kayn est vraiment big, hein. Faudra faire gaffe à ce Kayn là. Il faudra des tabis, je pense, cette game. Hein. Deuxième tacos, vas-y. Le troisième tacos. Le troisième les gars, le troisième. Le troisième. Oh. Eh, je fais mieux qu'Alan, hein. 13 minutes 37, 3 giga tacos. C'est bien mieux qu'Alan, hein.
Ok les gars, ok. Ok les gars, on bouffe encore là, ça bouffe hein. Regardez les gars, le quatrième Gigatacos. Oh non, il y a de la défense. Oh non les gars. Il est défendu Stacos. Reviens la Vierge, reviens. Ah, j'ai un peu de boisson avec, ouais, c'est cool. Bon, ils ont deux Drake, mais c'est pas grave, on a quand même bien pris quoi. On mange bien les gars, on mange bien hein. On mange très très bien les gars. Ok nice les gars, on a encore mangé un tacos, c'est cool. Fais la belle toi, fais la belle. Je prends l'inhib devant toi. Ouais, tu rigoles plus là. Devant toi mon bébé. Viens la Vierge, viens. Dommage, un HP. Pas trop mal. Ah dommage. Il était invulnérable par la Draktar, j'ai pas pu le cuspel. Ah c'est dur la game. Putain, je fais un fight de fou les gars, j'ai pas trop aidé là, je vous cache pas. Ah les frérots ils sont tous déchirés les gars, là c'est pas possible. Les gars, je mange tous les tacos. Bon alors toi. Voilà, Nash les frères, Nash, c'est gratuit. Les gars, c'est bien. Je suis fier de vous, la team. On a charré à nous. Ah, my bad, j'ai mal joué. Je pensais pas que l'Aurélien faisait aussi mal en vrai. On a eu la tour. En vrai, c'est fine. On a eu deux tours pour ça. Hein. Reculez. On a eu deux tours, c'est très bien. Pas mal ça hein. Ah putain, j'ai écrit de la scène, j'aurais pas dû. Après du coup on en tue 4, y'a plus que le Kane. Pouvez Nash hein. Ils peuvent Nash tous ensemble. Ah j'aurais pas dû écrire de la scène. Elle m'a bait en fait, elle m'a bait. Mourez tous! Faites pas de dégâts! Y'a un problème? Je fous le régène sur vous, bande de bâtards!
Non, je mens. Ils mettent tellement pour me tuer, je suis un world boss. Drake, vite, vite. Vite, c'est à nous, ça, c'est à nous. Si vous le volez, vous êtes report. Non, là, bout d'un moment, j'ai des termes. Là, les frérots, si vous le volez, vous êtes report. Troisième Drake grâce à moi. Voilà. C'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Ils sont tous déchirés, hein. C'est une catastrophe, hein. Voilà, voilà les tacos, frérot, on a tout mangé. Y'a un problème. 9 tacos j'ai mangé au moins. Voilà, frérot. Tout mangé. Là, vous m'avez forcé à manger le snack entier, là, les 3 cartes. J'ai honoré le lion, en vrai. Bon, GG, on a quand même gagné. Les gars, faut donner son âme pour gagner, là. Mon build était insane à la fin. Ouah, les dégâts. Oh, bordel. Effectivement, j'ai bien tout mangé, là. Voilà, les dégâts aux tourelles. Oh, bordel. C'était Kane contre Yorick cette game. Ah, vrai, lui, franchement, ses mates, ils mettaient de la CC et tout, tu vois. Les gars, sur les tourelles, c'est où? En vrai, je pense que j'ai pris pas mal de tours cette game. 25 000 de dégâts au tour, hein. Oh là là. La région avec un Q. C'est normal, les gars, je joue. J'avais Conquérant stacké. J'avais Légende sans su qui était stacké, j'avais Soif de sang, Hydrovorace et Visage spirituel qui augmente mes soins. Du coup forcément, bah, quand tu mets un auto-attaque Q-spell, bah, tu régènes de fou quoi. Je suis content, j'ai bien progressé mécaniquement sur Yorick, Je pense bien en reset d'auto comme il faut dans les fights, je mets des prisons plus intelligentes qu'avant. Je suis content en vrai. En vrai le Kane il jouait pas trop mal. Hein. En vrai le Kane il envoyait. Hein. Franchement... belle game de sa part. Ouais, et bah écoutez, très sympa. Donc voilà, du coup YouTube, vous avez vu, j'ai pu manger à peu près 10 giga tacos. Voilà, pas de putaclic. Vous l'avez vu, hein, voilà. J'avais quelques boissons aussi, hein, quelques boissons quelques fois. Et grâce aux viewers avec moi qui m'ont accompagné au snack, c'était très sympa. Et voilà, bah, comme d'hab, vous pouvez voir qu'on peut, en se surpassant, on peut faire des choses assez incroyables. Et je pensais pas pouvoir réussir à manger autant de tacos. Voilà, je mettrai la composition dans la description de tous les tacos. Vous inquiétez pas, il y aura pas de scam ou de fake ou quoi. Mais voilà, vous avez vu que j'en ai quand même mangé pas mal. Et j'ai même mangé de dessert à la fin, hein, vous l'avez vu. Les petits 50 gold sur le dessert, la petite part de tarte au chocolat d'Inde, hein, on connaît, dans nos snacks préférés. Ça me fume, ouais, ça me détruit, genre. Le concept est incroyable. J'ai hâte de voir la miniature, les gars, j'ai hâte de voir la miniature. J'ai hâte de voir la miniature, bon, j'espère que ça vous a plu. En plus, ça fait une belle game de Yorick, en vrai.